Ze waren er nochtans helemaal klaar voor. Les Gilettes, een heel diverse groep van inwoners, verkleed in het vrouwelijke, wat gewaagde alternatief voor het eeuwenoude kostuum van de Gilles. Traditie wil dat enkel mannen dat kostuum mogen aantrekken. Le carnaval et le folklore, ça reste le miroir d'une société. Et il est important que ces rituels carnavalesques représentent l'éventail le plus large de la société pour que nous puissions perdurer. En dit zijn foto's van vorig jaar. Toen stapten Les Gilettes wel verkleed door de straten en zonder problemen. Maar dit jaar gingen veel negatieve reacties rond op sociale media. C'est vraiment navrant, vraiment navrant. Et je peux vous dire que l'une des participantes, par exemple, s'est vue pratiquement exclure de sa société de carnaval. Une autre, on a menacé aussi de jeter des œufs sur l'ensemble des participants s'ils sortaient. Intussen maken de andere groepen zich klaar om wel op straat te komen. De reacties op het afhaken van Les Gilettes zijn verdeeld. Nous n'étions pas contre la sortie et ça je voudrais vraiment insister là-dessus. Nous tout simplement demandé qu'on respecte le costume de Gilles ne soit pas dérivé. Het stadsbestuur zegt dat Les Gilettes toegelaten waren en wil tegen volgend jaar overleg met alle groepen. Comment est-ce que en ne bafouant pas les fondamentaux de notre ville qui est une ville où l'inclusion, où le respect de l'autre le respect de la différence puisse être pleinement assumé. Maar dit jaar is het dus nog een carnavalsfeest zonder Gilettes.